La deuxième question, c'est quel sens est presque le possible qu'on va devoir connaître pour corriger les rites religieux au niveau de la face. Je pense que vous connaissez tous les différents muscles, c'est le muscle frontal, le muscle procérus, le coordinator, l'orbiculaire au niveau palpébral, l'élévateur de l'épulé de l'élève supérieur, l'élévateur de l'élève supérieur, et puis le dépressor anguillomoris, le mentalis, et bien d'autres. Nous allons passer en revue les plus importants parmi ces muscles. Ce qui est aussi important, c'est non seulement de connaître ces muscles, mais de savoir leur projection cutanée, d'être même capable de les dessiner sur la face pour pouvoir bien les atteindre au cours de vos injections. On connaît donc ici le muscle procérus, le muscle dépressor supercili, le muscle coordinator supercili, le frontalis, le nasalis l'élévateur de l'élévulé et de la lèvre supérieure. Le groin et les musiques croisiques ne sont pas des cibles, mais plutôt des dangers à ne pas atteindre, et puis le dépressor anguillomoris, et le dépressor latéral inférieur, le mentalis. Le muscle grossier, du coup, est aussi à connaître, il s'agit bien sûr du platysma, et tous ces muscles, vous devez normalement être capable de les dessiner sur le visage, ne serait-ce que l'imaginer, pour pouvoir mettre là où il faut vos points d'injection.